Vous voulez savoir moi ma déception? Bien sûr, c'est Steve Mounier. <laughs> oh effectivement, le, on peut le comprendre. Le capitaine. Je pense que je pense que bon capitaine, bon capitaine, Steve Mounier, Steve Mounier, marquait ce but là. Et là il a plus il a plus rien à faire. Steve, euh. ça fait je ne sais pas, ça fait plusieurs matchs maintenant qu'il n'arrive plus à être euh, vraiment, vraiment décisif. C'est vrai qu'il apporte beaucoup dans le jeu en gardant et en monopolisant l'attention euh, des défenseurs. En Mais en après, Steve, je pense que on doit euh, euh, dépasser euh, ce statut de quelqu'un qui a du titre foncier en équipe nationale. Tout le monde peut être remplacé. À un moment donné, je pense, si on faisait sortir peut-être Steve Mounier, on faisait rentrer le jeune Steve Warren, Warren Traoré. Bon, c'est un ça, garçon ça qui a aussi du feu de, de la jambe même, si, même si, ce n'est si c'est pas le même profil, mais on joue. Non, on mais joue à donné, un moment donné, quelqu'un, quelqu qui a déjà donné, pendant soit 15 minutes, 80 minutes, on le fait sortir pour rentrer, pour faire rentrer quelqu'un qui a le sang vif, le sang, le sang neuf, il a forcément une différence. Et le garçon, on l'a vu la dernière fois pour son dernier match qu'il a disputé, je pense que c'est ça doit être face au Nigeria ou à la Libye, et il a il a, été, il a été bon. Quand il est rentré, c'est vrai, il a été percutant. Et il a la possibilité. Il peut jouer en tant que faux neuf comme il peut jouer encore que, que que, encore, encore que rapidement. sur le côté. Oui, oui. La, la, euh, la, 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 chose, je pense que n'est la, 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 qu oui. la raison. Mais il faut voir de l'autre côté des choses. Euh, dans notre équipe nationale actuellement, je pense que Steve Nouillet, c'est le seul neuf, comme, le neuf que nous avons actuellement. Nous avons. Ah, oui. Alors, sur le plan tactique, ça, parlons, ça parlons sur le plan tactique. Attendez, attendez, attendez. Parlons sur le plan tactique. Dans ce genre de rencontre contre la Libye, vous avez, besoin, vous avez forcément besoin d'un attaquant capable de déranger la défense, défense. adverse. Ah, oui. Steve Warren, dont vous êtes entendu parler, c'est un joueur de couloir. Oui. Forcément, il ne serait pas à l'aise euh, si vous le mettez en pointe. Forcément. Donc, dans ce genre de rencontre, moi je dis forcément, vous avez besoin de quelqu'un comme si vous lui capable de courir et de déranger la, la défense adverse. Il l'a fait. Voilà pourquoi je pense qu'il faut être indulgent envers lui euh, sur, sur ce raté, raté qu'il a eu à faire. Mais maintenant, dans le jeu, il a été intéressant, si vous m'y êtes. C'est qu'il n'a pas marqué, mais c'est le capitaine qui montre la voie à, à ses coéquipiers. C'est le capitaine qui va au pressing, c'est lui qui déclenche le pressing, et je pense que c'est bien. Je fais mienne les analyses de Lel et de, et de Cédric, mais il faut comprendre que la mission intrinsèque d'un attaquant, c'est de scorer. Et quand Merci. vous ne scorez pas, je pense qu'il y a vous vous un problème. Quand moi. je prends le cas de Mounier, je pense que nous connaissons tous sa zone de prédilection, c'est dans les airs. et quand y pas de bon sens, il est amorphe sur tout le coup. Maintenant, il faut voir en dehors de Mounier qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre parce que quand Mounier sera toujours défaillant, là, il va falloir quand même trouver des là, le parti du sélectionneur d'aller maintenant chercher. Bien sûr, de de nous chercher. Suis, il prend de l'âge. On ne va, va pas le c'est rien moyenne. ne sera pas une raison pour le décapiter tout de suite. On ne va pas le décapiter tout de suite. demande juste de trouver un palliatif parce que la traversée du désert par rapport à Mounier, ça semble être très longue et il va falloir stopper l'hémorragie le plus rapidement possible. Une chose à suivre, l'essentiel est que le, jeune, le Bénin, le Bénin est à la carte. Le Bénin sera euh, du rendez-vous euh, marocain en 2025.